Alors, comme je sais que mon ami Laurent Schneider me suit sur YouTube, suit mes aventures champêtres et forestières, eh ben je lui dédie ce repas à mon ami Lolo. Voilà, mon ami. Bon appétit. Bon, ben voilà, mon cher Laurent, me voilà à table. Donc, une bonne côte de porc, je sais que t'aimes ça aussi. T'as vu un petit peu tout ça, c'est bien sympathique. Alors, bah, j'ai remis mon blouson parce que bah, j'ai pris on appelle ça par ici une drache. Donc voilà, j'ai pris la sauce sur la gueule, en gros, quoi. Bon, allez, mon ami Lolo, bon appétit. On va goûter ça. Se balader et puis se régaler. Il n'y a rien à faire. Comme dit la chanson, je ne fais rien, je me repose. Je suis très heureux ainsi, je ne fais rien, je me repose. J'ai pas de sous, mais j'ai pas de soucis. Enfin, les soucis, on en a tous, hein. Je passe au-dessus, je passe au-dessus, les gens peuvent passer au-dessus. Voilà mon chéri Eric Azouz, Monsieur Zou, comme je t'appelais. On va te taire. Les autres noms, bon, je t'ai affublé. Comme quoi on peut se régaler avec des mets tout simples, parce que la carcasse, la cumule, c'est un mets tout simple en fait. Hein. Les gens qui n'avaient pas trop d'argent, il y avait un ragoût de pommes de terre. Pour ouvrir le cadavre, les desserrer, sortir l'encéphale, tous les organes, le cerveau, c'est circulaire et tout. Et puis, une fois que tu n'as plus d'organes à l'intérieur, ça fait comme une barque vide. Aussi, à la main, l'héroïne, c'était quelque chose, on parle. En montant la bagnole, oui, disons. Dans le brodeur, t'as encore pété ou quoi, toi? Je sors de la bagnole, moi. Hein. Ça fait vraiment quand même. Je regarde si j'ai pas marché dans la merde. Non. Vas-y, sors de ton côté. Il avait marché dans une merde monstrueuse. On avait foutu partout dans la bagnole et ça a commencé à fouetter. Voilà. Non, oui. Tout le monde l'aimait. Partout où je l'emmenais, en Bretagne, tout le monde l'aimait. Il était devenu le Belge le plus breton qui soit. J'avais emmené voir mon copain, Serge Cochenette. C'est dur hein, de parler de bouffe en même temps. Il était aussi du cœur.